Coucou, je reviens vers vous pour une présentation d'un lot de cartes que j'ai fait avec les fonds, donc des coupes ou utilisation des fonds, des paillettes, des deux vidéos précédentes. Alors c'est une première partie de cartes parce que j'ai pas encore tout utilisé ni tout essayé. Donc elles sont pas dans l'ordre, je fais ce que je veux quand j'en ai envie, je me pose pas de questions. Donc vous avez celle-ci sur l'automne. Donc il y a écrit, c'est un tampon que quelqu'un m'a envoyé. L'automne, une saison de couleurs chatoyantes. Donc on retrouve plein de découpes avec les fonds orange que j'avais fait vernis. Et ici, le petit fond pailleté sablé. Voilà une carte. Pour la deuxième, le orange étant tellement vif, j'ai utilisé des découpes de Laetitia. Donc j'aime pas trop Halloween, mais ça m'a assez amusé de coincer ce petit fantôme dans la toile d'araignée et qu'il ait peur de la petite sorcière. Ensuite, j'ai utilisé les papillons paillettes. Donc là, j'ai fait une envolée de papillons. Alors, il y a ce que j'ai fait avec le double face. Et les autres, c'est du papier qui était déjà pailleté. Ici, j'ai utilisé les découpes pailletées. Ici aussi. Alors, il y en a qui sont toutes simples, je ne me pose pas la question. Je fais vraiment ce que j'ai envie. Alors celle-ci, c'est une découpe, mais que j'avais fait pour faire un essai de l'arrosoir. Et voilà, ça a donné ça. Il y a celle-ci, donc c'est le fond qui a été utilisé, et j'ai enfin trouvé des perles de pluie. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'ai fait un petit bouquet. Celle-ci, c'est avec le fond rose, et j'ai utilisé une fleur. Après, bien sûr, j'ai mis mon nez dans Noël, donc le fond pailleté sur Canva se prêtait parfaitement bien à une carte de Noël. En plus, j'adore ce nounours et ce pingouin qui mange des chamallows au bord du feu. Voilà, il y a écrit Norway. Pour continuer dans Noël, les gnomes. Alors, j'adore vraiment Noël et j'adore les gnomes. Ces petits gnomes de Noël me rappellent mes voyages nordiques que j'ai fait et en particulier ceux que j'ai fait en période de Noël. Donc là, c'est le fond rouge pailleté. Ici, beaucoup plus difficile à travailler. C'est le bleu que j'ai fait en fond avec de la glycérine. Donc là, j'ai simplement mis un petit lutin. Donc on est encore dans le thème de Noël. Une autre de Noël, bien sûr. Alors là, cet album de découpe, je l'adore. Donc on retrouve le fond que j'ai fait aussi avec des taches à glycérine que j'avais vernies. Et alors bon, le gnome Santa Stop Here. Les petits tamponnages. Ça j'adore. Voilà, donc je trouve que l'effet est réussi. Et une dernière, mais
J'ai utilisé des restes de papier pailleté, pardon. Donc joyeux Noël avec un gros ruban. Voilà, donc je compte en faire d'autres. Je vous referai une présentation. Il y a encore des fonds que je n'ai pas utilisés. Il y a des découpes. Voilà, je vais improviser, continuer. Je m'amuse bien. Donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous donnera des idées. Et je vais continuer. Bisous!